vous êtes illusionniste. Et qu'est-ce que vous cachez? Je n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanterie. Vous avez la fiche rouge pour la voiture? Quelle fiche? Je passe toujours comme ça. Peut-être, mais depuis hier, c'est changé. Alors, si vous n'avez pas la fiche rouge, je vous confisque la voiture. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ça, c'est une boîte magique. Je m'en sers. On va voir. Chef, on a mis la main sur un drôle d'engin. Nous ne savons pas à quoi cette boîte peut servir, mais elle est bourrée de matériel électronique. De toute évidence, c'est trop important. Il faut prévenir l'OTAN. Le matériel électronique contenu dans cette boîte noire est d'un type entièrement nouveau. Et il paraît efficace. Nos radars de traces sont actuellement à peu près inutilisables. Il faut que cet homme parle! Nous en aurons le cœur net! On va parler! Oui! Oh, ma montre, salaud! Tu vas payer ça! Il vaut mieux parler. Je vais parler. Libérez-moi les mains. Tu es magicien. Libère-toi tout seul. Vous êtes paresseux. Je vais parler. J'ai déjà fait entrer en Grèce 15 boîtes comme ça. Et je ne suis pas le seul. Les autres vont en faire entrer encore. Vos missiles, je les vois mal partis. Ou même pas partis du tout. Et maintenant, je voudrais une cigarette. C'est interdit par le règlement. Ah, le règlement. Donnez-moi au moins du feu. Merci. Je préfère le cigare. Vous êtes malin, mais pas assez. Où sont les boîtes que vous avez fait entrer? Il vous faudra les trouver vous-même. Moi. Je m'en vais. Scanure. Quel con. Mon cher Sharps, nous sommes de vieux amis. Mais pour une fois que j'ai vraiment besoin de toi, tu n'es propre à rien. Et au lieu de mâcher ces loukoums... Mon cher Caleb, ne dis pas de mal du loukoum, c'est toi qui m'en as donné l'idée. C'était d'ailleurs une bien bonne idée. Ah, ne dévie pas. Il suffit que nos fusées dévient, elles, pour que notre système de défense de la Méditerranée tombe à l'eau. Moi, je suis sûr que la Grèce entière est pleine de ces boîtes noires. Je ne crois pas au racontard d'un funambule. Cet homme se vantait. Manœuvre classique d'un tox. C'est le premier appareil qu'ils essaient de faire entrer sur ce territoire. D'ailleurs, j'étais au courant. Tu n'étais au courant de rien. Tu sais très bien que nous sommes toujours au courant de tout. Ah oui, alors comment expliques-tu que la moitié de nos radars ne marche pas? C'est que les trois quarts de tes ingénieurs sont des bons à rien. En tout cas, moi je te conseille de te remuer un peu. Tu as bien un type dans la boutique capable de s'en occuper, non? J'en ai plusieurs. Alors tu prends le meilleur. Bien. We'll be right back.
Bon, alors maintenant explique-toi. Oh, c'est pas simple. D'abord, il y a ces boîtes. Elles arrêtent les radars du NATO, alors on fait appel au CIA. Ouais. Seulement, entre nous, Charles, t'es un imbécile. Ah oui, ça on peut le dire. Il m'a confié la mission. Quel saut. Oui, seulement moi je cherche et je trouve. Ah bon? Dans le canal? Non, j'ai un indicateur à Corinthe. Bah alors tout va bien. Oui. Tu sais ce que je pense? Ah non. Il ne s'agit pas de ça du tout. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Tu sais bien comment ça se passe. Non. Un type a une idée. Un deuxième arrive, l'adapte pour l'utiliser. Hein? Et puis un troisième arrive, il la réalise et il change tout. Oui, mais pas en Grèce. Ici, tout est écrit d'avance, tu comprends? Ah bon? Par Aristote. Puis par les dieux. Moi, à ta place, j'y compterai pas trop. Non. Ta naïveté te perdra. Allez, viens, on va voir Charles. Non, non, alors t'es fou, il va m'engueuler parce que j'ai trouvé quelque chose. Non, allons plutôt chez moi voir ma femme. Non, on ira après. Non, maintenant. J'ai dit après? Non, maintenant. J'ai dit après. On est parti. On est parti. Ce cigare. Vous savez bien que je ne supporte pas l'odeur du tabac. Votre piste, ce n'est rien, hein? Arrêtez les frais. Mais enfin, puisque je vous dis que je brûle. Enfin, moi, si j'étais à votre place et je me trouvais devant un type comme moi, je me dirais évidemment que je vous les donne, ces 24 heures. Au cours de ma longue carrière, c'est bien la première fois qu'un agent fait du zèle avant de partir en congé. Oh, ça, la seule personne que ça peut indisposer, c'est ma femme. Ah, j'oubliais. Il est vrai que nous aurons ainsi le plaisir de garder Madame Ford quelques heures de plus parmi nous. Hé hey. Oh. De quoi parlions-nous? Hein? De quoi parlions-nous? Mais si, mais 24 heures. Eh bien, je vous les accorde. Hein? Plaignez-vous qu'on ne vous comprend pas. Si. On vous a suivi? Non. Vous avez donné rendez-vous à quelqu'un? Non. Allez. Voulez-vous que je vous aide? Allez-vous vous en aller? Ah! C'est encore un coup des enfants du Pirée. Ça fait 20 fois qu'ils trouvent une astuce nouvelle pour me voler. Bravo pour ces enfants. Alors, vous croyez vraiment qu'une boutique ouverte à tous les vents soit un endroit idéal pour... Parfaitement. Qui pourrait se douter que c'est ici ma centrale, l'endroit où je tisse mes toiles d'araignée? Je commencerai à me méfier le jour où on ne me volera plus mes loukoums. Une dernière remarque, messieurs. Ce ne sont pas mes loukoums qui risquent d'attirer l'attention du camp adverse, mais les pantalons maladroitement déchirés. Oui, Dex, tu vois, c'est de là que tout se passe, hein? C'est de là qui déboussole les radars. La route de Corinthe. La route de Corinthe. Oh là là. Tu sais que je te trouvais pas tant, moi. Ah, moi, je suis fantastique. Oui. Tu ne sais rien et tu fonces. Pourquoi? Je plonge. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'eau. Il me faudrait pas avoir ce loukoum de Sharps comme patron. Oh, ça. Un vieux cochon. Ah, il est immonde, celui-là, hein. Il est huileux, enfin, il est... C'est un petit vieux bien sale. Voilà, c'est ça. Et puis vulgaire. Ah oui, vraiment un vilain bonhomme. Ah, tu trouves aussi, hein? Ouh là là. Ah, moi des types comme ça, tu vois. Ça ferait bien de la charpie. Hein. Colle à la peau. Qu'est-ce que tu regardes là? Hein? Qu'est-ce que tu regardes? L'acropole. Qu'est-ce qu'elle a, l'acropole? Rien de spécial, non? C'est toujours la même, non? Je peux pas me permettre de déchirer mon pantalon, j'ai personne pour le raccommoder. Hein? Vous devriez vous marier. Pas possible, vous l'êtes déjà.
Oui, alors je crois que j'ai trouvé le joint, sérieusement. Mais c'est si embêtant que ça que vos radars tombent malades. Encore un week-end perdu à cause de ces petites boîtes noires. Alors on fait pas d'histoire, je t'adore. Si on trouve pas les boîtes noires que Socrate a ramenées, entre parenthèses, quand un homme commet un suicide, c'est pas pour rien, les radars seront fichus. Pas de radar, pas de fusée. Si les autres la prennent, alors ils vont en profiter, puis après tu vas voir. Plus de week-end du tout, alors. Finalement, vous ne pensez qu'à vous battre. Il y a tout de même... Pardon. Il y a tout de même autre chose à chercher dans la vie que des petites boîtes noires. Mais mon petit chéri, si ce n'est pas des petites boîtes noires, ce sera des grosses boîtes rouges. Hein? C'est mon boulot, ça. Tu savais très bien quand on s'est mariés, hein? Pardon. Vous avez tort de ne pas prendre de glace. Ça fait digérer. Pourquoi éloignez-vous Robert d'Athènes? J'ai l'impression que cette mission est stupide. Elle l'est. C'est pour me faire la cour. Une cour discrète. S'il le savait, vous passeriez un mauvais quart d'heure. Il a l'air en forme en ce moment. Je suis son chef. Je sais qu'il est fou, mais pas au point de me frapper. Il me respecte. Chef ou pas? Enfin, comptez sur moi. Je ne lui dirai rien. Je savais que vous comprendriez. Sale type! Répétez. Je répète. Le tout. Le tout. Sale type! Madame, je peux vous être utile? Certainement. Nettoyez la table. Je vous écoute. Ne faites pas l'enfant. Vous êtes une femme, et une femme très séduisante. C'est l'amour. L'amour? Quoi, l'amour? Oui, c'est l'amour. Vous avez envie de moi, Sharps? Oh, ma chère enfant. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Devinez. Mais que pouvons-nous faire ici devant tant de gens? Charmant, Jean. Je n'aime pas votre regard, Chaps. J'ai l'impression qu'il me salit. Vous permettez? Excusez-moi, monsieur. Je ne savais pas que c'était votre fille. Oui, oui, oui. $1,000, mais je paye toujours après. Je vous écoute. Ouais, j'ai pas le choix. Alors voilà, tout ce tram à la marbrerie Kalidès. Voilà comment ça se passe exactement. Monsieur Kalidès, c'est le... Alcibiade! Alcibiade! On ne quitte pas impunément l'organisation!
s'il vous plaît. Vous me donnez une allumette. Regarde. Ben laisse-moi, hein. J'aime pas qu'on me regarde. Pourquoi? Parce que ça me gêne. Ça me gêne. Prête-moi tes lunettes noires. Non. Prête-moi tes lunettes noires. Non. Prête-moi tes lunettes. Non. Prête-moi tes lunettes noires. Non. N'embête pas le touriste. Ah. Allons, chérie. Mets vite le champagne au frais. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Je t'embrasse. Continue. Je crève de chaleur. Ah, tu sais, ça y est, là, l'histoire des radars, c'est dans la poche. La petite boîte noire. Oui. J'ai trouvé qui c'était. Mon type de Corinthe. Comme toutes les choses simples, c'est génial. Va me chercher un peu de champagne. Je t'expliquerai. Tu vas te régaler. Paresseux, je vais te réveiller. Tu ne sais pas ce que tu perds. Bref, pour conclure mon témoignage, monsieur le juge, témoignage que vous avez eu l'obligeance de bien vouloir me demander, j'affirme en mon âme et conscience que le couple Ford s'entendait mal et... Madame! Ça vous a fait mal, non, monsieur? Non, non. Madame Ford est une violente, nous le savons trop. Je pense surtout à Robert Ford.
Une visite. Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Bravo, vous venez me consoler à la veille de ma sortie. Il aurait mieux fallu venir quand je suis entrée. D'ailleurs, je vais vous dire ce que je pense. Ce n'est pas Dieu qui vous parle, c'est l'homme. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? J'ai rencontré votre mari le soir de sa mort. On avait rendez-vous sur le port de Corinthe. Lui est resté. Moi, depuis, ils me poursuivent. Qui, il? Les types que j'ai dénoncés à votre mari, ceux des petites boîtes noires. Il m'avait promis $1,000, il n'a pas eu le temps de me les donner, alors il me les doit. Et vous avez l'audace de venir me les réclamer à moi? Oui. Mais remarquez, pas sans raison. Parce que les renseignements que je lui ai donnés, ils sont encore valables, ils sont même meilleurs. En ce moment, les radars, ils tiennent plus debout, c'est la fin. Qui me prouve que vous dites vrai? Non, mais je suis traqué. Je prends un sou. Donnez-moi ces $1,000, vous me sauvez la vie. Mais vous savez bien que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas avec ce travail de poupée que je pourrais vous payer. Je vous en supplie, dites-moi ce que vous savez. À genoux. C'est l'heure. Continuez votre confession. Je vous attends après-demain matin à 8h30. Vous et les $1,000. Devant la porte de la chapelle Sainte-Pénélope des Fleurs, au cimetière d'Athènes. Alors, mon père, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Pour après-demain, 8h30. Allez-vous-en. Ma chère enfant, vous ne voulez plus me voir. En voici l'occasion. Je ne veux pas partir. Mais si. La loi grecque est formelle, vous êtes étrangère. Je vous ai fait sortir. Oui, après m'avoir fait rentrer. Je vous ai fait sortir. Vous avez 3 jours avant de disparaître définitivement. 3 jours? Vous aurez le temps d'aller fleurir la tombe de votre mari. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Sharp. Je ferai ce que je voudrais. Je disais cela. Pour vous rendre un dernier service. D'accord, rendez-moi un service. Donnez-moi $1,000. Depuis hier, j'ai une piste. Vous n'avez qu'une piste, ma chère. Celle de l'aérodrome pour votre envol. Non. Bob avait raison. Je le vengerai, j'irai jusqu'au bout. Et je ferai éclater votre ignominie, votre mensonge et votre nullité. Allons. Taisez-vous, je reste en Grèce. J'irai où je voudrais et vous n'êtes pas près de moi attrapé. Lâchez-moi. Je vous ferai suivre par des musclés. Vous ne m'échapperez pas. J'ai l'habitude. Je suis prête à faire tout pour avoir ces $1,000. Tout? Oui. Même à coucher avec vous. Mais vous seriez épuisée avant de commencer. Bien joué. Dex!
J'ai reçu vos lettres. Vous saviez que je sortais aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, Chenny, mais... Sharps m'a ordonné de ne pas vous lâcher jusqu'à l'avion. Tenez. Mais vous n'allez pas faire ça. Vous allez m'aider. Bien sûr. Je suis payé pour ça, jusqu'à l'avion. Non, Dex. Je ne peux pas partir. J'ai retrouvé la piste que suivait Bob. Les pistes de Bob. Mais il en inventait tout le temps. C'est pour sa fantaisie que nous l'aimions. Alors vous non plus. Écoutez-moi, Chenny. Écoutez-moi. Sharps est un idiot, c'est vrai. Mais pour une fois, il a raison. Je ne peux pas le blâmer. Je dois vous protéger. Quand vous serez en Amérique, vous ne risquerez plus rien. Dex, je n'ai pas reçu que vos lettres en prison. J'ai reçu aussi une visite. Celle de l'homme qui était avec Bob à Corinthe, le jour de sa mort. Je dois le revoir demain avec de l'argent. Laissez cette histoire tranquille, Chenny. Je ne veux pas... Je ne veux pas que vous mouriez. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça me fait beaucoup. Je ne suis plus la même. Soyez pas bête. Vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas où aller. Je vous tiens. Vous lâcherez pas? Allez, venez. Laissez-moi juste jeter un coup d'œil sur les boutiques. Ça fait si longtemps, vous savez. 5 minutes. Le 1212. Quoi? Nous revenons dans le même appartement? Pourquoi? C'est une idée de Sharps. Je peux pas supporter de revenir ici. C'est aussi ce que Sharps a pensé. J'aurai la chambre du fond et vous la chambre d'amis. Donnez-moi ces 1000 dollars. Non. Coupez. En somme, j'ai changé une prison pour une autre. Si vous voulez gagner, ne parlez pas tellement. C'est à vous de blinder. Vous me devez déjà 250 dollars. D'accord. Oui. Carte. Serbie. Ah bon? 2. Tapis. Vous me faites confiance ou vous voulez que je vous signe quelque chose? Car je veux voir. Allez-y. 4 dames. Ah, ah, 4 rois. Voilà. Ah. Ça fait 750 dollars, ça. Ouais. J'ai soif.
madame. Oh, monsieur est revenu. Monsieur a fait bon voyage. Monsieur a besoin de moi. J'ai sonné pour la femme de chambre. Mais la femme de chambre, c'est moi. Monsieur? Tout est en ordre, mademoiselle. Vous n'avez qu'à vous présenter demain matin à l'aérodrome, une heure avant le décollage. Oui, mais c'est que j'ai changé d'avis. Je voudrais faire rembourser ce billet. Ah bon? Attendez un moment. Mademoiselle? Bonjour, monsieur. Je voudrais faire rembourser ce billet, s'il vous plaît. Mais avec plaisir, mademoiselle. Vous l'avez acheté vous-même, le billet? Non, elle m'a l'offert. Vous avez bien de la chance. C'est pas à moi que cela arriverait. Seulement, je suis obligé d'appeler le monsieur qui a acheté le billet pour vous. C'est le règlement. C'est monsieur... Oh, ce n'est pas la peine. Comme vous voudrez, nous sommes là pour vous rendre service. Oui, mais c'est que j'ai changé d'avis. Je vous remercie, mais je vais partir. Comme vous voudrez. Pourquoi pleurer? Le malheur vous poursuivrait-il? Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Oui. Un peu de cinéma. Oui. Mademoiselle Fifi, le meilleur.
Alors? 1 000 $. Ah, c'est une somme. Moitié tout de suite, et le reste à la livraison. Elle ne devrait plus tarder maintenant. Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Je croyais pourtant que vous teniez à la revoir votre ravissante jeune veuve. Il est vrai que si vous y teniez tant que ça, vous auriez fait un peu plus attention dans votre filaturière. Vous êtes sûr, elle vous a vraiment parlé d'un rendez-vous dans ce cimetière? Oui. En tout cas, voilà la chaleur qui monte. Ça va être l'enfer. Cessez de vous agiter comme ça dans cet endroit de repos. La voilà. Elle a changé. Ça aurait pu être elle. Elle est capable de tout. Excusez-moi, mon père. Inutile de regarder l'heure. Jeannie sera là dans 2 minutes. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mon flair, je la sens. Bien, vous la sentez peut-être, mais moi j'ai des doutes. Où allez-vous? Où allez-vous? Quelle bêtise allez-vous encore faire? Je vous ordonne de rester ici. Pardon, madame, la porte Sainte-Pénélope, c'est bien ici? Oui, monsieur. Bon, et il n'y a pas d'autre porte Sainte-Pénélope dans ce cimetière? Il y en a 5, mon bon monsieur. Achetez mon guide, elles y sont toutes. Sainte Pénélope des fleurs, Sainte Pénélope des chèvres, Sainte Pénélope du retour, Sainte Pénélope des tapissiers, Sainte Pénélope des prétendants. Vous avez l'argent? Oui. Donnez-le-moi. La moitié maintenant, le soldat à la livraison. La confiance règne. Vous ne voulez pas? J'ai pas le choix. Vous êtes une femme d'affaires. Alors j'écoute, qui a tué mon mari? Tout a commencé à Corinthe. C'est le réseau de la marbrerie Kalidès. Monsieur Kalidès... Fuyez! Ici qu'ailleurs. Oh!
Décidément, l'Église s'émancipe un peu trop. Même l'orthodoxe. M'emmener avec vous? Où est-ce que vous allez? Et vous? À Corinthe. Ça tombe bien, moi aussi. Ok. Merci. Vous voulez des sardines? Oui, merci. C'est bon, hein? C'est très bon, les sardines. Tenez, ouvrez. Écoutez, c'est terrible. Non, j'étais pas fait pour être camionneur. Il y a 2 ans, j'ai été finaliste du concours des Apollons. Mais malheureusement, j'ai loupé la finale. Il y en avait d'encore plus beaux que vous? Non, il y avait des questions culturelles. Ah. Les sardines, hein? On va être terriblement en retard. Oh, on a encore 2 minutes. Vous dites, moi, Monsieur Gallides, c'est mon patron. Quand on a dit ça, on a tout dit. Mais vous devez le voir assez souvent. 2 fois par jour, bonjour, bonsoir, c'est tout. Quand on a dit ça, on a tout dit. Eh ben, vous n'êtes pas curieux. J'ai mes raisons. Oui? Je suis bien avec vous. Oui, oui, je sais. Vous ne doutez de rien, vous. Et cette statue, où l'amenez-vous? Dans le chantier du temple, vous plaît pas? Si, si, c'est très joli, mais c'est curieux. On ne la taille pas sur place. Elle vient de la carrière. Oh. Vous savez ce que j'aimerais, Josio? Bien sûr, c'est pas difficile à deviner. Non, c'est pas du tout ça. Ce que j'aimerais, c'est d'aller dans cette île et visiter la carrière. Ça me passionne, le marbre. Si vous êtes très gentil avec moi, je vous emmènerai. Mais oui, Josio, je vous promets, je serai gentil. Mais pour maintenant, il faut absolument partir parce que vous allez être très en retard.
Crozio, par ici. Chose, j'aime bien qu'on la fasse. Mais la statue est là-bas, patron. Avec 2 heures de retard. Vous vous êtes pas dérangé parce que je suis pas tout à fait à l'aise. Si, précisément, qui était cette femme que tu as amenée avec toi? Tu ne sais pas qu'on voyage seul chez moi? Comment vous l'avez su? Je sais tout, Josio. Je ne comprends pas. Tais-toi. Où est-elle? La statue, son camion, impeccable. Je te parle de la femme! Elle est dans la cabine. Impeccable, elle aussi. Bon. On va voir ça. Mon cher Josio, en général, je franque un apport pour moins d'1 heure de retard. Mais sans le savoir, tu viens de me faire un inestimable cadeau. Eh ben, tant mieux, patron. Alors, c'est une maladie de famille chez vous, hein? Le mari met le nez dans mes entrepôts et vous dans mes chantiers. Voulez-vous être assez aimable et me dire pourquoi? Je n'ai rien à dire. Merci.
Sans vous, je t'ai perdu. Non, non, j'ai aucun mérite. Je peux pas voir maltraiter une femme. Vous êtes de mon côté maintenant. Moi, je veux pas me mêler de vos histoires. Je viens de perdre mon patron, je viens de perdre ma place, je me suis fait tirer dessus et j'ai le patron sur le dos. Je le connais, c'est pas un tendre. Non, je fais mon baluchon et je pars chez mon cousin à Salonique. Mais j'ai besoin de vous. Ne partez pas. Rien à faire. Non, je comprends rien à ce qui m'arrive et quand je comprends pas, j'ai peur. Mais Josio, vous comprendrez tout bientôt. Je vous en supplie, restez avec moi encore un petit moment. Venez à mon hôtel. Personne ne viendra vous y chercher là et j'ai des amis qui pourront vous aider. Vous n'avez pas d'argent pour partir? Ben non. Mais justement, Dex vous en donnera. À votre hôtel? Oui, au Hilton. Hilton? Eh ben dites donc. Bon, je vais prendre mes affaires et je reviens. D'accord, merci. D'accord. Mais je peux... Est-ce que je peux garer ma moto à l'hôtel? Oui, ouais, je peux. Bien sûr. À tout à l'heure. Lâchez-moi. Là. Vous êtes fou. Taisez-vous. Salaud. En tout cas, comme ça, je peux dormir tranquille. Je vous dis que j'ai toutes les preuves. Josio va arriver d'un instant à l'autre. Vous verrez. Mais il n'est pas là maintenant. Ah, et puis taisez-vous deux minutes. Mais enfin... Taisez-vous. Comment? Je vous fais confiance et vous me filez entre les doigts? Sharps m'a menacé d'un rapport à Washington. Oui, écoutez, oui. Oh! Oui, Dex. Mais vous êtes complètement folle. Vous risquez votre vie à chaque instant. Vous êtes bête. Vous ne comprenez pas qu'on ne cherche que vous protéger. Vous êtes méchante. Oh. Vous êtes perverse. Vous êtes têtue comme une vieille chèvre mexicaine. Je vous le jure que Josio va arriver. Je n'en peux plus, Dex. Je n'en peux plus. Alors, Josio. Pour la dernière fois, où est l'Américaine? Qu'est-ce que vous allez lui faire? Dis-moi, où elle est? Elle est à l'hôtel Hilton. Merci. Pauvre Chenny, trahi par son camionneur. Il est parti pour Salonique. Les gens rêvent d'aventure, mais dès qu'il y en a une qui pointe, on ne les voit plus. Au fond, ils ne pensent qu'à dormir. Leur petit coin, leur petite moto, leur petite photo. Qu'est-ce qu'on fait? On m'a toujours dit que la folie était contagieuse. Où est-elle, cette marbrerie? On ne doit pas attendre à demain pour la visiter. Allez, viens.
voilà. Bon, on démarre. Mais comment ça? On n'a même pas commencé. C'est mon plan. Je vous demande pardon. La barre. Oui. Qu'est-ce que c'est? Contrôle. Merci. Non, hé, hey, oh, oh, oh. Hé, hey, hé hey. Encore toi? Jamais vu ta tête. T'es nouveau? Ah non? Non, non, mais je voulais... Oh, je veux... Non, restez un petit moment. Non, mais... Bravo. Très astucieux. Oh. J'ai mieux. Attendez-moi là et ressonnez dans 20 secondes. Laissez-moi, j'étais là. Je me ferai échange, je vois l'avenir. Qu'est-ce que je fais? Retirez l'uniforme. Là, doucement. Oh, les petits lapins. Oh, les lapins, les lapins. C'est pas le moment. Allez, vite. Ah non, allez, vite. Mmh. Pas non plus. Josué est peut-être arrivé à l'hôtel, je vais appeler. Oui. Pas grand-chose. Hein. Allô? Allô, ici c'est Madame Ford, la chambre 1212. Est-ce que quelqu'un est venu pour me voir? Non, personne n'est venu pour vous, madame. Voilà, madame. Merci. Alors. Bon, on recommence. Tu prends la pièce là-bas, je prends celle-là. J'ai déjà regardé là-bas. Possible, ils l'ont fait exprès. Ils étaient déjà sur leur garde. On ne trouvera rien du tout. Mais il faut trouver. Alcibiade a dit à Robert que c'était dans le marbre. À moi, il a redit. Au chantier, encore, on m'attaque. Donc c'est ici qu'ils cachent leur saleté de boîte noire. Mais où? Qui s'apprête? Je ne sais pas. C'est Artémise, c'est Aphrodite. C'est une bonne femme, quoi. Brisla. Tu es folle. Si, là, j'en suis certaine. Complètement folle.
Dex. Tu avais raison. La boîte. Mais non. Allez, tu vas. C'est mon talent. Il faut faire encercler la marbrerie. Il faut aller chez Sharps. Plus vite encore, on va lui téléphoner. Oui. Je peux téléphoner, s'il vous plaît. Pendant que tu appelles Sharps, je vais chercher des chaussures. Mais dépêche-toi. Le 613-686. Oh, vous tombez bien. Attendez. Je répète que nous n'avons pas rêvé. Nous avons vu la boîte noire. Dans la tête ouverte, la tête truquée. Exactement. Et il y avait au moins 5 autres têtes pareilles. 5 autres. Ah. Voilà le capitaine Daniel, où on va savoir. Réveillé à 6 h du matin, on me fait déranger mon meilleur contact à la sûreté grecque, on me l'envoie fouiller un honnête marchand de tombes, tout ça pour des têtes qui n'existent pas et qui me rendent ridicule. Ridicule, vous l'êtes de toute façon. Simplement, ils les ont enlevés, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais elles existent. Foutaise. Sharps, vous êtes grossier? Je vous donne ma démission. J'accepte. Voilà au moins quelque chose de positif. Vous pouvez circuler, bon père. Quant à vous, je ne vous quitte pas d'un pouce jusqu'à la vie. Allez, on s'en va. Il faut que je passe à l'hôtel, j'ai ma valise. Inutile. Dex, chargez-vous de ces valises. Rejoignez-nous à l'aérodrome. Vous êtes fou, non? Je vous ai donné ma démission. Faites-le pour moi. Pendant ce temps, je vais mettre une fleur sur la tombe de Robert. Ah bon? Il faut qu'il me demande pardon, alors. Pardon pour la grimace.
Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je suis galant, je ne vous quitte pas des yeux. Si vous étiez vraiment galant, vous m'offririez une tasse de café. Un dernier café, soit. De la prime, de l'ordre des enfers. Vous permettez? Thank you, Harry. Allô? Oui. Quel café? Allô? Monsieur, c'est votre maîtresse qui m'a donné ce message tout à l'heure dans le dos de son mari. Elle vous donne rendez-vous au cimetière. C'est un bon coin pour les amoureux. Vous avez donc tellement peur que je m'enfuis. Je n'ai peur de rien. Je ne crains ni Dieu ni diable. Je veille sur vous. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ne nous quittons pas fâchés. Je ne voudrais pas que vous ayez un mauvais souvenir de moi. La voulez-vous? Je vous l'offre. Si vous voulez passer par ici, si vous voulez vous asseoir, je vous prie. Non, non, merci. Ma chère amie, vous vous êtes totalement méprise sur mon compte, vous savez. Vous ne m'avez guère facilité les choses. Je n'aime pas voir les gens mourir. Vous avez été courageuse, mais naïve, comme une enfant. Nous dépasse. Feignons d'en être les organisateurs.
Qui êtes-vous? Je vous attends depuis votre sortie de prison. Monsieur Kalidès était sûr que vous viendriez, étant donné votre profond amour pour ce pauvre monsieur Ford. Venez. Est-ce que vous avez vu une jeune femme habillée en tailleur vert? Non, mais j'ai vu une étrangère, elle m'a acheté une rose. Une rose. Des clients comme ça, ça ne s'oublie pas. De m'envoyer la relève. J'ai l'oiseau. Les filatures sont toujours pareilles. C'est toujours celui qui ne court pas qui attrape le gibier. Thank you.
Ça va, laisse-la. Reviens dans une demi-heure. Et attention, hein. Bien, patron. Allez, viens, cocotte. Bien arrivé, hein? Vous voulez voir? Eh bien, vous voyez. Je tiens quand même à vous complimenter. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on voit une femme attacher de l'importance à ce que dit son mari. Bravo! Bravo! Mais comme lui, vous êtes allé trop loin. Bien trop loin. Bien trop. Maintenant, vous êtes chez moi. La mer, avec tous ses fruits, le marbre. Vous ne trouvez pas que les idées les plus simples sont toujours les meilleures? En Suisse, j'aurais caché mes boîtes noires dans des boîtes de lait condensé. En Italie, dans une mandoline. En Grèce... Ne vous fatiguez pas, je sais où. Dans les temples et dans les têtes des statues. Pas seulement dans les têtes. Ce ne sont pas les idées qui nous manquent. Ces quatre-là, c'est pour le plaisir de la rénovation de nos chères vieilles ruines. Mais celui-ci... Celui-ci, c'est pour la destruction de vos missiles. Une petite merveille, n'est-ce pas? Un peu plus simple. Il n'y a plus qu'à la transporter dans un temple et mettre en action son mécanisme pour faire devenir fou tous vos radars, sans remède. Et il n'y a plus rien à y faire, plus rien. Même pas pour une... pour une belle espionne comme toi. Bêtise de mourir ainsi. Mais vous ne me laissez pas le choix. Votre corps si plaisant, si désirable, va aller s'abîmer sur les rochers et disparaître dans la mer. Oh, folle que vous êtes. Ne parlez plus. Finissons-en. Brave et intelligente. Vous êtes une femme courageuse, une femme digne d'être la compagne d'un homme comme moi. Ah, si vous aviez voulu, parce que je suis veuf moi aussi. Je comprends votre désarroi. Si vous aviez voulu. Mais vous ne m'avez rien demandé, monsieur Kalidès. Si vous vouliez. Moi aussi. Je souffre parfois du froid glacial de la solitude. Chani. Non, Chani. Chani. Oh, Chani. Monsieur!
souffrir après. Il n'a pas souffert. Grâce à mes efforts ininterrompus et nonobstant tout danger, j'ai l'honneur de vous annoncer, mon général, la destruction complète du réseau des boîtes noires. Une seconde, patron. Du réseau des boîtes noires. Ça a dû être dur. Oh. Plus encore que vous ne pouvez croire. Tu es fatigué ? C'est beau pour mon départ. Allons. Allons. Viens avec moi. Il n'y a pas de place. Si, c'est un avion spécial pour un congrès. Il y a de la place. Mais c'est pas trop tard pour prendre un billet maintenant. Non, pensez-vous, cela peut se faire très vite. Je viens avec toi. Non, il faut pas, pas encore. Petite Jenny. 2 mois, c'est pas assez. C'est mal. Je ne t'aime plus. Oui, et puis Sharps me foutra la porte et je perdrai ma situation. Ça serait un manque de dignité. Alors, au revoir. Au revoir. Je suis contente que tu sois là. J'avais peur. Mmh.